Emmanuel Macron is too liberal for me. Je ne suis pas très bon en langue étrangère, je parle un peu anglais et un peu allemand. Ich spreche ein bisschen Deutsch. Vous voyez, je mélange les deux. À côté d'un grand résistant, parce que d'abord ça renvoie à mon histoire familiale. Mon grand-père était un combattant de l'armée rouge pendant la Deuxième Guerre mondiale, polonais qui a fui la Pologne parce qu'il était juif et qu'il voulait échapper au camp, et du coup il s'est engagé dès le premier jour au sein de l'armée rouge, donc c'est une histoire qui me parle. Et puis les belles conquêtes sociales françaises sont des conquêtes qui ont été faites après-guerre. En 1945, grâce au Conseil national de la Résistance. Donc c'est une histoire qui me parle. Alan Turing, ce Britannique qui a été capable de comprendre les codes utilisés par les nazis pendant la Deuxième Guerre mondiale, puis qui a été après condamné en raison de son homosexualité. Non, je ne chante jamais. Et même quand l'international résonne en meeting, je fais du playback. Parce que j'ai beaucoup de compassion pour les gens qui sont susceptibles de m'entendre. 99 Luftballon, parce que mon père écoutait ça quand j'étais môme, et mon père, lui, était féru de culture allemande. Airbus est une belle réussite, parce que c'est une réussite industrielle. Et si l'Union européenne, à mon sens, était basée sur des partenariats tels que cela, des coopérations telles que celle-là, elle marcherait mieux. 87 millions de pauvres, incontestablement. L'accroissement des injustices sociales, les difficultés sociales, c'est la béance de cette Union européenne. On n'est pas obligé de serrer la main à n'importe qui. Moi, j'ai jamais pensé que les discussions en tête à tête avec des responsables politiques avec lesquels on est en désaccord changent quoi que ce soit. Ce qui change, c'est le rapport de force dans la société. Mais c'est pas parce qu'on va échanger trois arguments qu'on réussira à le faire changer d'avis. Bon, d'ailleurs, ça vaut pour moi aussi.